Je me souviens, c'est le dernier spectacle du comédien et agitateur de Sévrien, Jérôme Rouget. Il s'agit d'un recueil de ses souvenirs d'enfance dans un petit village tout près de Bressuire, le tout dans un style haut en couleur. Trois représentations sont prévues en novembre à Parthenay et à Bressuire. Reportage d'Élodie Gérard et Francis Tabuteau. Et une fois, alors qu'on se garait avec la voiture sur la place de Gérardmer, et que ma mère a dit, mais enfin, à la fin, quand est-ce qu'on quitte Gérardmer? Mon père, qui s'énerve très peu souvent, a dit, vous commencez à me faire chier avec votre Gérardmer! Gérardmer, 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 tiens! Des histoires comme ça, ça ne s'invente pas d'ailleurs. Dans le spectacle de Jérôme Rouget, tout est véridique. Les noms, les détails, et même les cartes postales de sa grand-mère. Jérôme, Pépé se joint à moi pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Aujourd'hui, tu as 10 ans. Je me souviens, c'est le récit haut en couleur de sa jeunesse heureuse à Terve. Quand on me demandait d'où je venais, je disais des Deux-Sèvres. Et personne ne savait jamais où c'était. Ouais, c'était vraiment quelque chose que je m'étais dit, à un moment, je le ferais. Raconter mon enfance, je savais pas l'intérêt que ça pouvait avoir. Je me dis, c'est bien, finalement, de laisser quand même une trace de comment on vivait, de comment un enfant d'ici a vécu son enfance à Terve, quoi. Jérôme Rouget est seul en scène. Il est tous les personnages à la fois, sautant d'une époque à l'autre en quelques secondes. Je me souviens que mon père disait « Dis donc, tu pourrais pas baisser un peu ta musique là? Tu te crois peut-être tout seul dans cette maison ?» Jérôme, Pépé se joint à moi pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Aujourd'hui tu as 14 ans, tu entres dans le monde des grands. Pense à ton avenir. On rebondit vraiment d'un souvenir à l'autre parce que ça me paraît beaucoup plus représentatif de comment se construit un être humain, quoi. Un être humain ne se construit pas pierre par pierre, en faisant une petite pyramide ou un immeuble, je ne sais pas, mais se construit vraiment aussi par accident, par des choses qui lui arrivent comme ça, et puis hop, ah tiens, ça oriente toute sa vie. Et là, c'est comme ça le spectacle. Jérôme, aujourd'hui tu as 18 ans, tu entres dans le monde des grands. Pense à mettre des préservatifs. Et il faut bien se l'avouer, même si c'est son histoire que Jérôme Rouget raconte, ses souvenirs vous rappelleront forcément quelque chose. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, les prévisions météo de Delphine Roux, puis l'édition nationale. Quant à moi, je vous retrouve demain dans le Midi Pile.